Information très importante à partager massivement à toutes les personnes qui se retrouvent sur le territoire français. Vous êtes sur le territoire français, vous êtes en demande d'asile. Je vais vous expliquer les termes de la demande d'asile que beaucoup d'entre vous pensent que les termes-là ont la même signification dans votre procédure d'asile. La procédure normale ne veut pas dire que votre demande d'asile sera traitée selon les procédures normales, voilà. La procédure normale, c'est juste que vous avez fait la demande d'asile avant les 90 jours dès votre entrée sur le territoire, que vous aurez droit aux conditions matérielles d'accueil des bénéficiaires ou des demandeurs de protection internationale. La procédure accélérée. Vous avez déposé une demande d'asile plus de 90 jours dès votre arrivée sur le territoire français ou vous avez fourni des faux documents pour entrer sur le territoire français, passeport d'emprunt, falsification des empreintes digitales. C'est la raison pour laquelle on vous place en procédure accélérée. Mais cette procédure ne veut pas dire que votre demande d'asile sera traitée rapidement. Maintenant, les deux procédures auront une différence au niveau de la CNDA. Normalement, la procédure accélérée, vous aurez droit qu'à un seul juge face à votre avocat pour décider de votre recours. Cependant, les personnes en procédure normale auront un collège de 3 juges plus leur avocat. Si les deux disent que c'est bon, tu as la protection. Si un dit c'est bon, les autres disent non, on te refuse. Si les trois disent non, on te refuse la protection. N'hésitez pas à partager cette information. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.